Chers téléspectateurs, c'est à l'occasion d'un anniversaire douloureux pour les Français que je vais vous parler aujourd'hui du duc de Wellington. Nous nous approchons en effet le 18 juin de l'anniversaire de la bataille de Waterloo qui fut fatale, on le sait, à l'aventure napoléonienne. C'est l'occasion de nous pencher sur celui qui fut l'un des vainqueurs de cet affrontement décisif. Arthur Wellesley, duc de Wellington, l'une des grandes figures de l'histoire anglaise de son temps. L'ancêtre fondateur, c'est un Wellesley qui était porte-drapeau d'Henri II Plantagenet, parti à la conquête de l'Irlande, et ce fidèle du roi anglais s'est ensuite établi dans l'île et y a installé une lignée qui va durer jusqu'au 18e siècle, hein, 6 siècles de présence en Irlande, mais une famille qui ne se sent pas irlandaise pour autant. Hein, Wellington avait l'habitude de dire que c'est pas parce qu'on est dans une écurie qu'on est un cheval. C'est tout dire quant à ce que pouvait être l'attitude de l'aristocratie anglaise vis-à-vis de la population indigène. En fait, Wellington naît à Dublin le 1er mai 1769, quelques mois avant que Napoléon ne naisse lui-même à Ajaccio. Il est le quatrième enfant et le troisième fils de Lord Mornington, qui a dilapidé le patrimoine familial avant de mourir en 1780, ce qui veut dire que le jeune Wellesley se retrouve sans fortune, sans héritage. Hein. C'est un enfant plutôt apathique, plutôt paresseux, qui désespère un petit peu ses maîtres, mais il a le don de la musique et est un bon joueur de violon. Cela dit, que faire dans ces conditions? Eh bien, c'est la carrière militaire qui s'impose, c'est du moins la conviction de sa mère qui va le pousser dans ce sens, et il va se retrouver à l'école de cavalerie d'Angers avec une carrière militaire qui va débuter en 1794 alors qu'il est âgé d'une vingtaine d'années. C'est à ce moment-là que son frère Richard va intervenir pour faire de lui l'aide de camp auprès du secrétaire d'État à l'Irlande, et il va donc se retrouver à Dublin où il va se consacrer à la vie qui est celle de la jeunesse dorée de l'époque, ce qui va lui valoir de s'endetter à l'excès. Il va connaître une déception amoureuse car les parents de Kitty Pakenham ne veulent pas donner la main de leur fille à ce garçon dépourvu de fortune et dont les perspectives de carrière demeurent limitées. Alors ça va être l'occasion un petit peu d'une crise existentielle. Il décide de quitter l'Irlande, il casse même son violon, il renonce au mandat de parlementaire qui était le sien au Parlement de Dublin. Il est en quelque sorte tout à fait dégoûté par la futilité de la vie dublinoise. Et c'est dans ces conditions qu'il fait le choix de partir pour l'Inde avec son régiment. Or, il se trouve qu'en Inde, en 1798, c'est son frère Richard qui va se retrouver gouverneur du pays et qui va mettre en place un véritable système Wellesley, puisque son frère Henri d'une part et Arthur d'autre part vont l'épauler, l'un pour les affaires civiles et Arthur pour les affaires militaires. C'est l'occasion de débuter brillamment cette carrière militaire, puisque Arthur va être vainqueur de Tipu Sahib à Seringapatam, et à un moment où, on le sait, les intrigues françaises cherchent à soulever en Inde une révolte contre la présence britannique. Arthur va se retrouver ensuite gouverneur de Mysore, il va vaincre les Marathas rebelles à la bataille d'Assaya en 1803, donc un bilan tout à fait favorable. Il a fait là son apprentissage militaire, il va en tirer un certain nombre de leçons, hein, l'importance de la discipline des troupes, de la discipline de feu notamment, l'importance aussi des questions de ce que l'on appelle aujourd'hui la logistique, hein, le ravitaillement des armées, la maîtrise des communications, l'importance aussi de savoir se faire accepter par les populations
population locale. C'est une expérience qui lui sera utile, notamment en Espagne. L'Inde, en tout cas, a été pour lui une rude école, et il s'y est forgé des qualités de chef militaire incontestable, et on voit bien à quel point Napoléon était tout à fait injuste à son égard, en ironisant à son propos, en le présentant comme un général de cipaye, hein, ces cipayes, c'est-à-dire les auxiliaires indigènes de l'armée des Indes britanniques. En tout cas, il est de retour en Europe en 1804, après la disgrâce de son frère, et il va se retrouver à ce moment-là secrétaire d'État pour l'Irlande. S'installe de nouveau à Dublin, prend sa revanche parce qu'il finit par épouser Kitty Fakenham, dont les parents l'avaient repoussé quelques années plus tôt, mais ses fonctions administratives ne lui conviennent pas. Il aspire à exercer un commandement militaire, et en 1808, on le voit débarquer au Portugal. Hein, on connaît les événements qui affectent à l'époque la péninsule ibérique, l'insurrection espagnole, mais aussi les interventions françaises au Portugal, ce pays restant, on le sait, très proche de l'Angleterre, refusant de fait d'appliquer la volonté de Napoléon en matière de blocus continental. Alors le voilà donc qui arrive dans la péninsule ibérique, hein. Il va s'y illustrer, et c'est là qu'il va gagner son titre de vicomte, et puis même ensuite son titre de duc de Wellington. Il va là se forger une réputation de grand chef de guerre, hein, à travers un certain nombre de choix, à travers un certain nombre d'attitudes. D'abord, il refuse tout à fait de se laisser impressionner par l'adversaire. Or, ne pas être impressionné par Napoléon et sa grande armée en 1808, évidemment, ce n'était pas du tout une chose évidente, puisque les armées de l'Empire avaient triomphé sur tous les théâtres d'opération en Europe contre l'Autriche, contre la Russie et contre la Prusse. Mais c'était une condition nécessaire pour affronter victorieusement l'adversaire. Il a aussi la conviction qu'il faut s'appuyer sur des troupes extrêmement solides, des troupes extrêmement disciplinées, qui sont en situation, en mesure de supporter, de faire face aux tactiques résolument offensives de l'armée française. Pour cela, il faut de la discipline de feu, pour cela, il faut des troupes aguerris, organisés en carré, sur lesquels on puisse compter. Il comprend aussi l'importance des positions dans ce contexte qu'il convient de tenir, des positions solidement protégées, c'est ce que l'on verra au Portugal, mais que l'on verra également à Waterloo. Et puis, il comprend l'intérêt que présente une ligne de feu suffisamment dense pour briser les vagues d'assaut des troupes françaises. Ça, ce sont les conceptions tactiques qu'il a en quelque sorte formulées au cours de son expérience espagnole. Il y a aussi une vision stratégique des choses. Il voit l'intérêt de la dispersion des forces ennemies. Or, c'est quelque chose qui est relativement facile à réaliser dans le cas du contexte ibérique, puisque les Français sont confrontés à un soulèvement général de la population à partir de 1808, qui va prendre sur le plan militaire pour l'essentiel la forme de la guérilla, et Wellington comprend que cela contraint l'adversaire à disperser ses forces sur l'ensemble du territoire concerné, et il mesure aussi toute l'importance que représente le soutien que l'on peut apporter aux insurgés. En gros, les choses se passe de la manière suivante. Il va sanctuariser
en quelque sorte le théâtre portugais en organisant les lignes de défense de Torres Vedras qui permettent de couvrir Lisbonne. Cela représente en quelque sorte une tête de pont qui va rester infranchissable pour les forces françaises. Masséna viendra se casser les dents sur les défenses de Torres Vedras. Et puis, une fois cela acquis, en fonction de la situation, eh bien, Wellington intervient en Espagne, hein, en différentes régions, en fonction du rapport de force du moment. En cas de succès, de faiblesse de l'adversaire, eh bien, il avance. On le verra ainsi remporter des succès tout à fait notables, notamment à Salamanque en 1812. Et puis, face à une réaction trop puissante des Français, ben, il se replie sur la base portugaise qu'il va réussir à conserver pendant toute la campagne. Alors, évidemment, tout change en Espagne après la retraite de Moscou, après l'échec de la campagne de Russie. C'est le commencement de la fin pour Napoléon. Désormais, on peut donner la priorité à l'offensive, hein, d'autant que, outre le Portugal, les Anglais prennent le contrôle des ports basques par lesquels ils peuvent acheminer des renforts. Et tout cela va se terminer mal pour les Français, on le sait, en 1813, avec la victoire de Vitoria, remportée contre les troupes de Joseph Bonaparte. Désormais, les Français sont contraints de repasser les Pyrénées. Hein. Soult est obligé de mener un combat défensif qui, bien vite, alors que s'est engagée par ailleurs la campagne de France de 1814, aboutit à la défaite des armées napoléoniennes. Et en avril 1814, au moment où Napoléon va abdiquer pour la première fois, eh bien, Wellington entre en vainqueur à Toulouse. Il est alors considéré comme l'un des vainqueurs du tyran. Il est accueilli au congrès de Vienne, congrès de Vienne qui apprend, on le sait, en mars 1815, le retour de Napoléon. Alors les puissances décident de lui confier le commandement des armées alliées et il installe alors son quartier général à Bruxelles. Napoléon, à ce moment, a deux choix possibles, soit marcher directement en direction de Bruxelles, soit s'approcher des ports de la côte flamande pour interdire les relations entre les troupes anglaises installées aux Pays-Bas et puis l'Angleterre elle-même. Hein. Ça permet également de séparer les Anglais des Prussiens qui marchent également sur la Belgique. Wellington s'attend plutôt à une attaque sur Bruxelles, mais Napoléon en fait attaque plus à l'ouest. Wellington va réagir en déplaçant ses forces en direction du sud-est, en attendant là les renforts prussiens qui doivent arriver. Les Anglais arrivent à temps pour empêcher Ney de s'emparer de la position de quatre bras, mais comme les Prussiens ont été battus à Ligny, eh bien les Anglais vont se retrouver effectivement dans une position un peu délicate. C'est à ce moment-là que Wellington va décider de livrer la bataille décisive à hauteur de Waterloo, un endroit particulièrement favorable à la défensive telle qu'il la conçoit et telle qu'il l'a expérimentée, notamment au Portugal. Hein, les Anglais sont installés en retrait par rapport aux crêtes qui dominent la plaine de Waterloo, afin de limiter les effets d'une artillerie française plus nombreuse et plus puissante. Hein, ils attendent le choc des assauts et des charges de cavalerie des Français. Napoléon croyait pouvoir s'emparer rapidement de Bruxelles. N'écoute pas les conseils du général Rey, qui était un vétéran de la campagne d'Espagne et qui avait bien deviné les intentions de Wellington. Et Napoléon ne va pas tenter d'envelopper l'adversaire par son aile droite, ce qui est une erreur tactique majeure.
Quand la bataille se déclenche, les bombardements français, les bombardements d'artillerie, puis les assauts lancés par les troupes françaises vont donner la priorité en quelque sorte au choc par rapport à la manœuvre et à la surprise. Et comme le dit Wellington à ses subordonnés, Napoléon n'est qu'un cogneur, mais il suffit de savoir qui cognera en dernier. Et cet affrontement, on connaît l'issue, bien sûr. Il faut pour les Anglais tenir en attendant les Prussiens. Wellington fait preuve d'un calme et d'une confiance tout à fait remarquable pendant ces moments, pendant ces heures décisives. Les carrés que forment les habits rouges tiennent par rapport aux charges furieuses lancées par les Français, et finalement on connaît l'issue. Blücher et ses Prussiens finissent par arriver sur le champ de bataille. La garde impériale meurt mais ne se rend pas, selon la formule fameuse. Wellington peut passer de la défensive à l'offensive, et la bataille de Waterloo se termine, on le sait, sur la défaite de Napoléon. La gloire de Wellington est immense. En même temps, il manifeste une certaine lassitude après avoir, pendant plus de 7 ans, conduit une guerre extrêmement éprouvante contre Napoléon, et il va abandonner en 1818 son poste de commandant en chef des forces d'occupation en France pour se lancer dans la carrière politique. Il va rejoindre le gouvernement conservateur de Lord Liverpool avec la ferme intention de lutter contre tout développement des idées démocratiques issues de la Révolution française. Mais en même temps, il ignore dans une large mesure les grandes mutations que connaît alors la société anglaise sous le choc de la Révolution industrielle et de l'émergence de nouvelles couches ouvrières dont les réactions sont tout à fait imprévisibles. Il va en tout cas avoir une carrière politique d'environ une vingtaine d'années, au cours de laquelle il va se manifester comme un conservateur tout à fait convaincu, au point en 1830 d'être à la tête d'un gouvernement qui va être renversé du fait de son refus de toute réforme parlementaire. Cela dit, il a fait accorder les droits civiques aux catholiques en 1829, et en 1846, il soutiendra les fameuses lois sur les blés qui mettent un terme au protectionnisme en matière agricole. Ce n'est pas un doctrinaire, c'est plutôt un homme d'État pragmatique, populaire. L'opinion oubliera son opposition à la réforme parlementaire, et il va mourir en pleine gloire en 1852, après avoir conservé tout au long de cette période une grande autorité morale sur le pays. Il fait partie de ces personnages, de ces références qui expliquent la stabilité anglaise au XIXe siècle, alors que le continent connaît toutes les révolutions et les troubles que l'on sait. Les Anglais ont reconnu ses qualités, se sont reconnus également en lui. Il a fourni à beaucoup d'égards un modèle, et il est intéressant de signaler qu'on lui a attribué un mot tout à fait apocryphe, selon lequel c'est dans le collège d'Eton que les Anglais ont trouvé les modèles et les vertus qui ont permis la victoire sur Napoléon. En revanche, il est certain qu'ensuite les vertus qu'a incarné Wellington, on les a enseignés et on les a transmises à des générations de jeunes gens appelés à former l'élite britannique. Tout le monde connaît Jean Gabin, l'acteur préféré des Français et qui n'est pas oublié, même s'il est mort en 1976, ce qui fait déjà loin. Il est irremplaçable. Et tout le monde connaît ses films, bien sûr. Ceux d'avant la guerre, où il était le jeune premier, et ceux d'après la guerre, où il était ce patriarche bougon, bourru et exceptionnel. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter ce qu'il a fait pendant la guerre. Alors,
On est en 39, il est déjà une immense star, probablement la star la plus célèbre du cinéma, qui n'est pas parlant depuis si longtemps que ça. Hein. Il a évidemment fait des films inoubliables, il a eu cette aventure mythique avec Michel Morgan, qui était très jeune à l'époque. Et puis, c'est la guerre. Il est en 39, il est mobilisé à Cherbourg, comme il avait fait son service dans la marine, il est mobilisé à Cherbourg. Or, il est en train de tourner Remorque, toujours avec Michel Morgan, et il a une permission spéciale pour terminer ce film, qui est aussi un beau film. Et puis, bon, ben voilà, c'est la défaite en 40, et il part sur les routes de l'Exode avec sa voiture, un vélo à l'arrière de la voiture, son accordéon et sa deuxième femme. La deuxième femme s'appelle Doriane Mauchin. Et autant ça s'était bien passé avec sa première femme, Gaby Basset, avec qui il va garder des relations très amicales, et même plus que ça, parce que quand il sera riche et célèbre, il essaiera toujours de lui trouver un petit rôle dans ses films, il ne la laissera pas tomber. Et Gaby Basset est morte en 2002, et on peut la saluer. Par contre, Doriane Mauchin, c'est vraiment une peste. Et dans cette voiture, imaginez, sur les routes de l'Exode, il fait chaud, la tension monte, elle n'arrête pas de l'embêter, et finalement, il descend de la voiture, file un grand coup de pied dans la portière et dit « j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre ». Enfin, ça doit être pire que ça, ce qu'il lui dit. Il prend son vélo, son accordéon, et il la plante là, sur les routes de l'Exode, et il s'en va de son côté. Et impossible pour Jean Gabin, qui est extrêmement patriote, de tourner pour la Continentale, comme vont faire pas mal d'acteurs français, mais enfin, on va pas balancer les noms aujourd'hui. Lui, tout de suite, non. Les Allemands, c'est non. Il aime trop la France pour ça. Il va vers Marseille, et puis il s'embarque pour les États-Unis, comme aussi d'autres avant lui, dont Michel Morgan, qu'il avait mis dans un bateau d'ailleurs quelques semaines avant. Une fois aux États-Unis, eh bien, il se sent très mal. Il arrive à New York, il va en Californie. Là, quand même, il est célèbre. On lui propose des contrats qu'il signe. Bon, il apprend l'anglais, là aussi, sans grand enthousiasme. Et il va vivoter, j'allais dire, bon, confortablement, mais vivoter intellectuellement en tournant des nanars. On veut lui faire des films de propagande gaulliste, il le fait, mais enfin, tout ça n'a pas laissé beaucoup de traces dans le cinéma mondial. Et puis, il n'en peut plus. Il a une histoire d'amour très, très forte avec Marlène Dietrich, qui elle aussi est très engagée pour la défense. Et il lui dit, non, je ne peux pas rester là, confortable, pendant que les copains vont se faire trouer la peau pour qu'un jour je puisse peut-être retrouver mon patelin, tel quel. Donc il faut que je fasse quelque chose. Et il va rencontrer le capitaine de frégate La Haye, des forces navales françaises libres, qui lui dit, bon ben d'accord, je vous engage, vous serez marin. Bon, mais vu votre âge, il a presque 40 ans, on ne va pas vous mettre simple matelot, le pompon à votre âge, ça serait un peu ridicule. Donc il sera second maître et il embarque à Norfolk sur un croiseur qui s'appelle l'Elorn. Et là commence, alors il est chef de pièce d'ECA et commence une traversée absolument cauchemardesque parce qu'il y a les U-boats de Dönitz qui sont extrêmement dangereux et il y a la Luftwaffe qui mitraille les bateaux et qui mitraille même les canots de sauvetage quand les bateaux sont coulés. Donc c'est une nuit d'enfer, en particulier du côté des Açores. Il va être extrêmement courageux, faire son travail de chef de pièce d'ECA jusqu'au bout, mais au matin ses cheveux sont devenus totalement blancs, tellement il a eu peur, il le dira d'ailleurs, ça a été la pire nuit de sa vie. Enfin bon, il est passé. Ils arrivent à Alger, où il a des bons souvenirs, puisqu'il avait tourné Pépé le Moko. D'ailleurs, tout le monde l'appelle Pépé le Moko là-bas, et on lui dit, bon ben, vous allez être au centre de propagande, cinéma aux armées, etc. Il dit, pas du tout, je veux me battre. Alors, on l'expédie comme instructeur à un endroit qui s'appelle le Sirocco, mais ça ne lui suffit pas, il veut vraiment, vraiment se battre. Et enfin, l'automne 44, il peut... rentré en France par Brest, il va devenir chef de char et le plus vieux chef de char de la France libre. Son char s'appellera Souffleur 2
Et il n'était pas le seul d'ailleurs à avoir été dans les chars. Il y avait Jean Nohain, qui va d'ailleurs prendre une balle dans le visage et dans la bouche, et c'est pour ça qu'il fera partie des Gueules Cassées et qu'il aura cette voix un petit peu particulière. Il y avait Jean Marais aussi, il y en avait d'autres. Mais lui, il va faire un périple extraordinaire. D'abord la poche de Royan, et puis Colmar, et puis l'Allemagne. Et il va même aller jusqu'à Berchtesgaden, le Nid d'Aigle, où il arrive le 3 mai 1945. Alors ça, c'est quelque chose qu'il n'oublie pas, évidemment, se retrouver dans le Nid d'Aigle d'Hitler, c'était quand même quelque chose. Là, il était, son char était avec la 2e DB. Il n'a pas tellement pris de galon, hein, mais par contre, il a la médaille militaire et la croix de guerre. Et il a surtout une citation quand même des plus flatteuses, à montrer les plus belles qualités d'allant, de courage et de valeur militaire. C'est quand même pas mal. Curieusement, il va refuser de défiler dans son char sur les Champs-Élysées. Il va regarder le défilé comme n'importe qui sur le trottoir, et il dira: quand j'ai vu passer mon char souffleur 2 avec mon équipage, eh ben j'ai chialé comme un gosse. Alors pourquoi il n'a pas accepté de défiler sur les Champs-Élysées? On ne sait pas trop, mais à l'époque il vit toujours avec Marlène Dietrich, qui a fait elle aussi une guerre tout à fait remarquable. Mais dans la France de 1945, il faisait pas bon d'être allemande, même quand on était Marlène Dietrich et même quand on s'était vraiment engagé dans l'armée. Et il va plusieurs fois, quand il sort avec elle, avoir des remarques extrêmement désagréables, du genre « Ah, une schleue », etc. Il serre les poings, il dit qu'il renonce à casser la gueule des gens qui disent ça. Elle en a assez aussi, ils vont tourner quelques films ensemble qui ne seront pas des très très grands succès. Et puis elle en a marre, elle aussi, et elle rentre aux États-Unis. C'est la fin de leur aventure, qui était quand même quel couple, hein. Jean Gabin et Marlène Dietrich, c'était quand même quelque chose. Il va toujours rester profondément attaché à la marine. C'est bizarre parce qu'il était né à Paris dans le 9e arrondissement. Il avait passé son enfance à Mériel dans le Val d'Oise. Puis c'est un gars de la terre. Là, dès qu'il a eu un petit peu d'argent, il s'est acheté de la terre, il s'est acheté des chevaux, il s'est acheté une ferme. Mais il adorait la marine. Et quand il va mourir d'une leucémie bien avant l'âge, puisqu'il avait que 72 ans, eh bien, il avait demandé à ce que ses cendres soient dispersées en mer. Ce sera fait par le vice-amiral Gélina, qui était son ancien chef. Et ça sera fait depuis un bateau, qui était l'Aviso des Troyas. Et ça sera le 15 novembre 1976. Et à Paris, à la télévision, Marlène Dietrich ne l'a sûrement pas vue, mais Michel Morgan a dit qu'elle a vu cette cérémonie funèbre, donc les cendres de Jean Gabin jetées au large de Brest, et qu'elle a beaucoup pleuré. Là aussi, c'était un couple mythique. Mais bravo, Jean Gabin, pour votre patriotisme. Comme je l'ai indiqué en début d'émission, nous recevons donc aujourd'hui Bernard Lugan, historien, spécialiste bien connu de l'histoire africaine. Alors nous le recevons aujourd'hui pour un ouvrage qu'il vient de publier, Histoire et géopolitique de la Libye, des origines à nos jours. Alors évidemment, ce sujet libyen colle tout à fait à l'actualité, et une fois de plus, Bernard Lugan éclaire la dite actualité à travers un retour sur l'histoire ô combien nécessaire pour réussir à se retrouver dans le chaos libyen. Certains auraient mieux fait de s'intéresser à ces réalités-là avant d'engager des opérations pour le moins malheureuses quand on les juge à leurs résultats quelques années plus tard. Alors cet ouvrage, Catherine, comment peut-on se le procurer? Alors, vous ne trouverez pas cet ouvrage dans les librairies, mais vous pouvez le commander sur Internet, sur le site www.bernard-lugan.com,
Et sinon, si vous voulez envoyer un chèque, vous pouvez l'envoyer à l'adresse postale Bernard Lugan, boîte postale 45, 42 360, Panissière. Un chèque de 35 euros. Ah oui, faut-il, effectivement. Et les livraisons sont faites en colissimo par mesure de sécurité. Oui, c'est un livre qui a été édité par les éditions de l'Afrique réelle. On connaît la revue L'Afrique réelle, et c'est le quatrième livre que j'édite aux éditions pour beaucoup plus de souplesse et de liberté. J'ai décidé de créer ma propre maison d'édition. Alors, un livre, je le signale aussi, qui est illustré d'une vingtaine de cartes tout à fait originales et qui sont spécialement utiles pour se retrouver dans ce chaos libyen que nous constatons depuis maintenant 4 années. Alors, Bernard Lugan, vous êtes à l'origine un spécialiste de l'Afrique centrale, mais vous vous êtes intéressé aussi à l'Égypte, au Maghreb. Et évidemment, la Libye était sur votre route, et dans la mesure où elle occupe depuis quelques années les premières loges de l'actualité, vous deviez fatalement vous pencher sur ce sujet pour éclairer un peu nos contemporains sur un conflit qu'il apparaît assez difficile de maîtriser, mais difficile à maîtriser sans doute du fait de l'ignorance absolument abyssale de certains, et notamment de certains décideurs, à propos de ce pays où on s'est contenté de lectures idéologiques extrêmement sommaires au lieu d'aller découvrir ce qui constituait la trame essentielle de cette société libyenne, au lieu d'analyser ce qui faisait le pouvoir apparemment stable du colonel Kadhafi. On s'est embarqué dans les aventures que l'on sait, avec les conséquences catastrophiques que l'on sait. Alors, pour comprendre quelque chose à la Libye, il faut d'abord rappeler quels éléments fondamentaux. L'élément fondamental, c'est que la Libye n'existe pas, et que la Libye n'a existé sous une forme entre guillemets unique qu'à l'époque du colonel Kadhafi, parce qu'elle n'exista point durant l'Antiquité, elle n'exista point durant la période de la conquête arabe, également pas pendant la période turque, et quelques années pendant la période italienne, mais disons que ce fut un spasme. En fait, la Libye est composée de trois grands ensembles. À l'est, la Cyrénaïque, qui regarde traditionnellement vers l'Égypte. À l'ouest, la Tripolitaine, qui regarde traditionnellement vers le Maghreb et vers la Tunisie actuelle. Et au sud, des mondes sahariens, qu'on appelle le Fezzan, mais le Fezzan n'existe pas, plusieurs ensembles, ensemble tout blanc, ensemble touareg, qui eux regardent à la fois vers la Méditerranée et à la fois vers le lac Tchad, le lien entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. On peut rappeler d'ailleurs que pendant l'Antiquité, Cyrénaïque et Tripolitaine n'appartiennent pas au même ensemble. Absolument pas. La limite est au fameux hôtel des Philènes. Tout à fait. La Libye, c'est un terme qui apparaît chez les Grecs anciennement pour désigner de manière très générale l'Afrique. La Libye vient d'un terme bien précis, ça vient de la tribu des Lébous. Nous connaissons très bien les anciens Libyens, qui sont des Berbères, et nous les connaissons très bien par les représentations dans les tombes égyptiennes. Mmh. Les Égyptiens avaient plusieurs tribus qui vivaient au contact de la vallée du Nil, à l'ouest des grandes oasis, Farafra, Karga, etc. Et ces peuples était connu sous divers noms, et l'un de ces peuples était les Lébous. Et ce sont les Grecs qui, à l'époque hellénistique, lorsqu'ils vont véritablement coloniser toute la région du Delta, qui vont donner le nom de ce territoire à partir des Lébous. Donc c'est un nom ancien. Alors le grand problème, c'est que je vous ai dit qu'il y avait deux grandes zones, la Tripolitaine, la Cyrénaïque, mais entre les deux il y a le désert. Il y a le golfe des Sirtes, que vous avez fort bien dit, l'hôtel des frères Philènes, qui séparait la Cyrénaïque de la Tripolitaine. D'ailleurs, il est assez intéressant de voir que Mussolini fit édifier un arc de triomphe sur l'emplacement de l'hôtel des frères Philènes. Pour nos auditeurs, disons que l'histoire des frères Philènes est très intéressante, c'est toute l'histoire du partage entre la Grèce et Carthage. Les cités grecques de Cyrénaïque et Carthage se retrouvent en contact à un moment donné.
Et ces deux grands ensembles veulent éviter la guerre. Et pour éviter la guerre, vont s'en remettre à des champions, à des coureurs, pour que la frontière soit établie là où les coureurs se rencontreront ou se rencontreraient. Donc les Grecs partent de la région actuellement, disons, de Benghazi, Cyrène, Benghazi, et les Carthaginois partent de la région de quasiment de Tripoli. Alors il y a deux traditions, tout à fait contradictoires. Les uns disent que les frères Philène étaient des Carthaginois, les autres étaient des Grecs. Quoi qu'il en soit, les Carthaginois ont couru plus vite que les Grecs et ils sont arrivés jusqu'à la hauteur de Syrte, dans le golfe des Syrtes, ce qui fait que les territoires de Carthage, que Carthage n'occupe pas jamais d'ailleurs, se prolongèrent presque jusqu'à Ajdabiya, aujourd'hui en Libye. Donc entre ces deux ensembles, un désert. Et ce désert avec une pénétrante directement vers le lac Tchad. Et là vous avez... Et c'est toute l'histoire de la Libye. Et c'est ce que Sarkozy et BHL n'ont pas compris. Vous savez qu'il y avait un monde qui est une marqueterie tribale, une sorte de mosaïque, plus une marqueterie tribale, avec deux ensembles. L'ensemble des tribus de Cyrénaïque et l'ensemble des tribus de Tripolitaine. Et ces deux ensembles constituaient des unions. Et Kadhafi a réussi, et ce fut pourquoi seuls sous sa période l'ont pu parler de Libye, existante en tant qu'État unitaire, c'est que Kadhafi, à travers sa propre personne, réussit à faire agglomérer l'alliance tribale de Cyrénaïque et l'alliance tribale de Tripolitaine. Comment ? Lui appartenait à l'alliance tribale de Tripolitaine, par sa tribu les Hadafda, qui était originaire de la région située entre Syrte et Bani Walid, donc la Tripolitaine. Et il eut l'intelligence d'épouser une femme, il répudia sa première femme, qui était une Kulugli d'origine turque de la région ouest de la Libye, il la répudia, et il épousa une fille d'un clan secondaire de la tribu royale des Barassa, ce clan c'était les Firkesh, ce qui fait que par son mariage, nous sommes dans la conception tribale, par son mariage, Kadhafi réussit à allier à travers sa personne et par son, sa politique matrimoniale les tribus de Cyrénaïque et les tribus de Tripolitaine. Et toute la vie politique de la Libye sous Kadhafi va reposer sur cet engrenage qu'il constitue autour de sa propre personne, avec des hauts et des bas bien sûr, parce qu'il va y avoir des trahisons, certaines tribus de Cyrénaïque vont se révolter, etc. Mais grosso modo, ça marche, le système est cohérent. Et avec l'adresse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, la France et l'OTAN ont fait éclater tout cela. Alors l'origine de ces confédérations tribales est fondamentale, c'est une origine qui remonte au XIe siècle, XIe, XIIe siècle, allez jusqu'au XIIIe siècle. La Libye, avant cette époque, est totalement berbère, comme la totalité de l'Afrique du Nord. Du delta du Nil jusqu'aux îles Canaries, nous sommes dans un monde berbère. Et ce monde berbère va être culturellement arabisé, parfois ethniquement et biologiquement arabisé, mais le fond de la population est berbère. En Libye, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est qu'à l'époque des Fatimides, à l'époque du Khalifa Fatimide, qui est d'origine berbère aussi, parce que n'oublions pas que les Fatimides, c'est la tribu des Koutamas, les Okoutamani, des Romains et des Byzantins, c'est une petite Kabylie. Donc la tribu des Koutamas, les Okoutamis, les fameux cavaliers, l'on retrouve dans toute l'histoire romaine et dans toute l'histoire, je renvoie à Yann Le Boeck, qui a étudié cette question de façon magistrale. Les Okoutamani, les Koutamas vont former la troupe qui va permettre aux Fatimides de créer l'Empire Fatimide en Afrique du Nord et ensuite d'aller conquérir l'Égypte. Les Fatimides sont installés en Égypte et un certain nombre de leurs alliés berbères nord-africains vont profiter de l'éloignement des Fatimides pour prendre de l'autonomie. Au même moment, sortent d'Arabie, comme à des périodes régulières, de manière cyclique. Des tribus sortent d'Arabie, des tribus bédouines, et s'étendent dans la région. Et à ce moment-là sortent les tribus, les Beni Hilal, les Hilaliens, qui vont commencer à ravager le nord de l'Égypte. Et le califat Fatimide va se dire, écartons ce danger, et pour l'écarter, envoyons-le vers l'ouest. Ce qui va nous permettre, disent les Fatimides, à la fois de nous débarrasser de ces pillards, et en même temps d'envoyer, ce qu'on dit à l'époque, le fléau bédouin, aux berbères de l'actuelle Tunisie, de l'Ifriqiya, qui étaient soulevés contre le pouvoir fatimide. Et les Hilaliens partent vers l'ouest. Les premières tribus vont arriver en Cyrénaïque.
elles vont trouver le pays fort agréable, parce que la Cyrénaïque n'est pas qu'un désert. Mmh. Quand vous connaissez un peu le pays, toute la hauteur au-dessus de Benghazi, c'est le Djebel Akhdar, la montagne verte. C'est une montagne, à l'époque grecque, on disait qu'Apollon trouvait le ciel pour inonder les plaines. Donc nous sommes dans une région de… c'est une région qui… c'est la Corse. C'est la Corse. On a une vision très très réductrice de la Libye. Toute la partie nord de la Cyrénaïque, environ un gros haricot qui fait 300 km de long sur 150 km de large, sont les hauteurs corses, avec du maquis, avec des arbres. D'ailleurs, les Grecs s'installent. Ils s'installent là, car c'est un coin qui est totalement fertile. Et ces premières tribus arabes trouvent que le coin est merveilleux, s'y installent. Liquide entièrement l'arboriculture, car nous étions dans une zone de production d'arbres fruitiers, etc. Tout est rasé pour que les moutons puissent se développer. Mais les tribus qui s'installent en Cyrénaïque estiment qu'elles sont les tribus les plus nobles, puisqu'elles sont les premières arrivées. Là, nous sommes 11e. Dans les décennies qui suivent, une deuxième vague d'Ilaïens arrive. Elles ne s'installent pas en Cyrénaïque, puisqu'il y a déjà les premières tribus, et elles vont plus à l'ouest. Et elles vont s'installer en Tripolitaine. Et nous avons là le noyau des deux grandes alliances tribales que nous retrouvons jusqu'à aujourd'hui. Et tout s'explique autour de ces alliances tribales. Alors en plus de cela, va se développer une deuxième Libye. Là nous sommes dans la tribu bédouine, dans la Libye bédouine. Une autre Libye va se développer, c'est la Libye du littoral. Alors la Libye du littoral, essentiellement les villes de Tripolitaine, qui va être cette Libye du littoral, elle tournée vers la Méditerranée. Des villes marchandes, riches, qui vont être les points d'aboutissement des caravanes. Car ces tribus dont je viens de vous parler, ces tribus arabes bédouines, vont s'allier aux tribus berbères et vont contrôler tout le grand commerce vers la zone péritchadienne, péritchadique. Et tout le commerce de l'Afrique noire va arriver sur le littoral libyen, et ces villes du littoral de Libye vont développer un type de civilisation totalement différent. Cités patriciennes, cités riches, commerçantes, mais qui vont toujours vivre dans la terreur du pillage qui peut être exercé par les tribus de l'intérieur. Donc ces tribus, ces villes du nord sont tournées vers la Méditerranée et achètent leur protection auprès des tribus qui sont dans leur immédiate hinterland, dans l'arrière-pays. Donc c'est un système d'alliance excessivement complexe qui se met en place. Et dans ce système complexe va éclater, après les événements de Tunisie, une contestation sur laquelle nous reviendrons en Libye. Et cette contestation qui est une guerre tribale, en fait c'est une guerre tribale, c'est une rivalité de la Cyrénaïque qui trouve que la Tripolitaine a pris trop de place, et qui est augmentée par la révolte des berbères de l'extrême ouest de la Libye, qui en veulent à Kadhafi, parce que Kadhafi est une politique nationaliste arabe qui nie le fait de berbère. Donc une alliance de briques et de brocs que Kadhafi aurait pu régler sans aucun problème, et qui ne va pas être réglée, parce que l'intervention française va donner la victoire à ces gentils démocrates insurgés dont nous voyons aujourd'hui le résultat avec les lapidations, les massacres, etc. – Et quelle a été la part dans tous ces événements de la confrérie Senoussi ?– Dans les événements de l'histoire ancienne de la Libye. – Qui a joué un rôle important dans l'histoire de la Libye. – Essentiel, la confrérie sénoussiste va jouer un rôle essentiel dans à la fois au début la lutte contre les Turcs reviennent en 1835, à la fois dans la lutte contre les Turcs, puis ensuite dans l'alliance avec les Turcs, car la confrérie va se voir déléguer par la Turquie la police du désert dans la zone de Cyrénaïque. Et cette confrérie va être le bras armé de la Turquie contre l'impérialisme français. N'oublions pas que la France va avoir des gros problèmes dans l'actuel Niger, dans l'actuel Tchad et dans l'actuel extrême est de l'Algérie avec cette confrérie sénoussiste. C'est le siège de Janet en 1916, absolument immortalisé par Joseph Perret, tout à fait, l'état d'Arvers qui faisait le bonheur des jeunes lecteurs tout il y a une cinquantaine d'années. Nous repartons dans l'escadron blanc. Exactement. Cette confrérie sénoussiste va ensuite avoir un rôle très important pendant la période italienne. C'est elle qui va résister en grande partie, toujours avec les Turcs. Parce que les Turcs sont en guerre, enfin l'Italie envahit ce qui va devenir la Libye, qui n'est pas la Libye, on appelait ça à l'époque turque le vilayet de Tripoli. Et la Libye va être créée par les Italiens, et les Italiens vont devoir lutter contre les Turcs, contre les sénoussistes, et un certain nombre d'officiers turcs vont rester avec les sénoussistes. Et quand la guerre de 14 va éclater,
dès que l'Italie va changer d'alliance et va retourner ses alliances, et que la guerre va prendre également en Libye, ces officiers turcs qui sont sur place vont achever de mobiliser la Sanoussia contre les Italiens. Cette Sanoussia qui va avoir un rôle très important jusqu'à la fin des années 1937-38. Finalement, dans les années 37-38, la Sanoussia est écrasée par les Italiens, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques vont essayer de donner le pouvoir au leader de la Sanoussia, qui est l'émir Idriss, qui va devenir le roi Idriss Ier, qui est de la tribu des Barassa, tribu noble au sein des tribus nobles de la Cyrénaïque, et c'est ainsi que la Sanoussia se retrouve à travers la personne d'Idriss Ier. Mais à la différence des Wahhabites, qui vont créer un système politique en Arabie autour de leur confrérie, Idriss ne va pas créer un système politique autour de la Sanoussia. Il va être, bien entendu, l'homme issu de la Sanoussia, mais surtout l'homme issu de la tribu des Barassa. Et la Sanoussia va continuer à exister sous un rôle étouffé, qui va être, pardon, largement combattu ensuite par le colonel Khadafi. Et la Sanoussia, les bribes, ce qui reste de la Sanoussia, vont constituer un des éléments de soulèvement de départ de la révolte contre Kadhafi. Donc il y aura plusieurs éléments qui vont se mêler. Et aujourd'hui, ce qui reste de la Sanoussia, c'est un peu fondu dans le courant fédéraliste anti-islamiste et pro-confrérique qui lutte contre Daesh et Al-Qaïda. – On a là une organisation qui a un profil général islamiste en quelque sorte, mais qui est opposée à l'islamisme fondamentaliste comme actuel. Que c'est un phénomène qu'on a vu aussi au Caucase. Hein, oui, et que l'on retrouve dans le nord du Nigeria, ces fondamentalistes qui s'opposent à Boko Haram, que l'on retrouve dans l'Ouest africain avec les confréries, etc., les Tidjanes, etc. Donc c'est un phénomène très intéressant. Parce que les islamistes libyens d'aujourd'hui, quelles sont leurs affiliations? Alors, aujourd'hui, nous avons 5 zones, 6 grandes zones. Alors commençons par les zones qui ne font pas l'actualité chaude, mais qui sont très prégnantes. Alors évacuons-les. À l'extrême ouest, nous avons les Berbères du Djebel Nefousa, qui jouent leurs cartes. Ils jouent leurs cartes et qui tantôt s'allient aux islamistes, tantôt sont contre les islamistes. Ce qui les intéresse, c'est de voir ceux qui vont leur donner le maximum de reconnaissance culturelle. Au sud, nous avons deux mondes. Nous avons le monde Touareg et le monde Toubou. Le monde Touareg est en train d'être avalé par les islamistes. Ah oui? Oui, complètement. Et pas seulement en Libye, sur le Niger et le Mali. Non, plutôt en Libye. Mais plutôt en Libye. Ils ne sont pas islamistes, mais ils jouent la carte islamiste, toujours par identité, comme les Berbères du Djebel Nefousa. Et nous avons toujours au sud, mais à l'est, les Toubous qui, eux, sont très engagés contre les islamistes, pour des raisons très simples, c'est qu'ils sont en rivalité avec les Arabes. Or, les Arabes sont les islamistes, entre les Beni Soleiman et les Toubous, c'est la guerre territoriale. C'est ancien, ça remonte aux années 1830, une guerre qui se... Bon, ça, évacuons le sud. Alors maintenant, nous avons le nord, là où tout se passe, puisque 95% de la population libyenne vit sur le cordon littoral. Alors nous avons trois ensembles. Nous avons la Cyrénaïque à l'extrême est, qui est plus ou moins contrôlée par une alliance composite, qui repose sur la confédération tribale de Cyrénaïque, plus un certain nombre d'anciens kadhafistes. C'est quand même assez paradoxal, parce que la Cyrénaïque s'était soulevée contre Kadhafi, mais les kadhafistes se sont repliés en Cyrénaïque, et également la Sanoussia. Ces mouvements ne contrôlent pas toute la Cyrénaïque, parce qu'il y a deux ou trois, c'est un gruyère, hein, qui est percé deux ou trois trous, notamment Darna, qui était l'émirat islamiste. Voilà. Cet émirat islamiste, qui s'était rallié à Daesh, et qui a été liquidé par Al-Qaïda. C'est quand même assez extraordinaire. Donc il y a en plus des éléments d'Al-Qaïda qui font que nous sommes dans une situation très composite. Ça, c'est la Cyrénaïque. À l'extrême ouest, en dehors de la zone berbère, nous avons de Tripoli jusqu'à Misrata, une sorte d'alliance entre islamistes, Al-Qaïda et frères musulmans. Le dominant là-dedans, c'est Misrata. Misrata avec les frères musulmans. Misrata est une ville très particulière, c'est une ville qui est une ville culturellement turque. Misrata, c'est la capitale des Koulougli, qui sont les métis d'indigènes et de turcs, et
qui, culturellement, était tournée vers la Turquie. C'est une ville riche, Misrata, c'est une ville lettrée, c'est une ville qui a une aristocratie lettrée, marchande. Et à l'heure actuelle, Misrata constitue probablement la plus grosse force militaire dans cette déliquescence libyenne. Alors Misrata est une ville donc qui est tournée vers la Turquie et c'est le porte-avions de la Turquie en Libye. Pourquoi ? Parce que c'est une ville culturellement Koulougli, qui regarde donc vers Constantinople, et c'est une ville également qui est le fief des frères musulmans. Alors il ne vous échappera pas que les frères musulmans sont au pouvoir en Turquie. Et au départ de la déstabilisation libyenne, il y a les frères musulmans, il y a les Turcs et il y a bien entendu les Américains. À l'époque où les Américains ont voulu déstabiliser tout l'arc méditerranéen et proche-oriental pour mettre au pouvoir les frères musulmans, pensant qu'en mettant au pouvoir les frères musulmans de la Turquie en Tunisie, ils allaient pouvoir se retirer de la région en laissant un certain ordre derrière eux pour éviter l'anarchie et la prise de pouvoir par les salafistes ou les fondamentalistes divers. Alors nous avons donc ce monde-là, Misrata, qui est allié, alors allié de circonstances, de temps en temps ils se combattent, mais en ce moment ils sont alliés à Al-Qaïda et aux islamistes de Tripoli. Pourquoi ? Parce qu'un troisième larron est arrivé, c'est Daesh, l'État islamique, qui est arrivé, qui a commencé par s'installer à Darna, dans l'extrême est de la Cyrénaïque, qui a été chassé de Darna et qui est venu s'installer à Sirte. Alors là, c'est un choix extraordinaire. Là, on voit qu'il y a, de la part de Daesh, une analyse politique. On voit qu'il y a un sens du terrain. Ils ont choisi de s'installer à la limite des deux alliances tribales dont je vous parlais tout à l'heure, dans la zone contestée entre les deux alliances tribales. D'ailleurs, dans le golfe des Sirtes, et cette zone qui est la pénétrante vers le sud, veulent tenter de donner la main à Boko Haram. Pour le moment, le Tchad tient le coup. Pour combien de temps ? Ça, tout, là est la question. Et ils sont installés. Là, c'est le ventre mou. C'est le ventre mou de la Libye, parce que nous sommes dans le no man's land entre les deux grandes zones tribales. Et qui plus est, la région de Sirte et la région de la tribu du colonel Kadhafi, ce qui fait que cette tribu n'a pas osé prendre les armes de peur d'être accusée de vouloir remettre le kadhafisme au pouvoir. Ce qui fait que cette tribu, avec la culpabilisation qu'elle avait sur la tête, hein, on sait comment on culpabilise les peuples depuis un certain nombre d'années, les Serbes ont été culpabilisés, les Allemands ont été culpabilisés, mais là les Khadafda ont été culpabilisés. Donc c'était un moyen formidable pour les islamistes de l'État islamique de s'installer. Et aujourd'hui, ils sont présents depuis plusieurs mois, et aujourd'hui ils contrôlent à peu près 300 km de littoral, du port d'Ajdabiya jusqu'à l'ouest de Sirte. Ils contrôlent le fond du golfe des Sirtes, ce qui est la pénétrante vers le sud. Alors le danger est de savoir ce que vont faire les Ouled Slimane, la tribu des Ouled Slimane, qui elle s'étend de la région jusqu'au lac Tchad. Et il y a une tradition fondamentaliste dans cette tribu. Alors, le jeu est très ouvert. Donc, la situation libyenne est très grave. Alors, pour le moment, nous avons les yeux tournés vers la Syrie. Mais n'oublions pas que Sirte est à 300 km, 400 km de Malte. C'est aux portes, c'est là. Et comme en plus nous faisons la bêtise que l'histoire jugera d'une manière accablante, c'est l'attitude des gouvernements européens qui donnent l'ordre à nos marines de récupérer les entre guillemets réfugiés qui sont des migrants clandestins dès qu'ils quittent les ports de Libye, on les ramène. On les ramène. On les ramène sur la côte. Avec 300 km contrôlés par l'État islamique, vous imaginez le nombre de gentils démocrates qui doivent passer au milieu de ces réfugiés. Oui. Voilà. Ce que l'on peut dire pour la situation. Alors, vous avez évoqué le rôle de la Turquie. On a souvent évoqué aussi le rôle du Qatar. Oui, même chose. Le Qatar et la Turquie ont partie liée dans cette affaire. Aujourd'hui, nous savons le renseignement. Il y a régulièrement des avions qui viennent de la région, avions probablement turcs.
ou dépendants des Turcs et qui déchargent des djihadistes qui sont exfiltrés de Syrie et qui sont envoyés vers la Libye. Vers la Libye pour ouvrir un autre front. Le but est d'ouvrir un autre front, donc nous allons avoir probablement un autre front qui va s'ouvrir dans le sud de la Libye. Le but est d'ouvrir un front vers le sud de la Libye. Le but est de venir gratter le dispositif français qui est dans le nord du Niger et qui est au Tchad. Donc là, il va y avoir un phénomène avec ce qui se passe dans le Sahel, avec le glissement au sud du fleuve Niger, du fondamentalisme. C'est un sujet que j'étudie beaucoup en ce moment. Il y a un numéro de l'Afrique réelle qui est consacré à cela. Si vous voulez, il y a une mutation énorme. Nous allons être obligés d'engager probablement des dizaines de milliers d'hommes que nous n'avons pas, parce que après la bande sahélienne, c'est la bande soudano-guinéenne qui va se soulever. Qui va se soulever Qui va se soulever, mais... Oui, les islamistes sont là. Ce qui s'est passé à Bamako l'autre jour, à l'hôtel Radisson. Ils ont une capacité de mobilisation des populations locales. Au sein des groupes Peul, notamment. Ce qui s'est passé à l'hôtel Radisson à Bamako, tout à fait tôt. Ça a été revendiqué par Mokhtar Ben Mokhtar, mais pas du tout. Ce sont des Noirs du Sud qui ont fait le coup. Et il y a des liens entre les mouvements. Et nous avons à l'heure actuelle un mouvement qui s'est développé, le mouvement de libération du Massina, en référence au grand djihad Peul du 19e siècle. Voilà, nous avons un mouvement qui est latent, et n'oublions pas que c'est le cœur de la zone sahélo-guinéenne. C'est la zone qui touche le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Et la Guinée est un pays qui est à 90% musulman. Là, il y a des réservoirs. C'est une situation qui est très grave et qui est en train de nous échapper. Et en un mot, comment voyez-vous l'avenir ? Ben, je ne vois pas d'avenir. Ce que je vois, c'est qu'il va falloir que nos armées se préparent. Il va falloir que le gouvernement comprenne enfin qu'il faut quasiment doubler les crédits de la défense, qu'il faut recréer des unités spécialisées dans la résidence sur place, parce que c'est très bien de faire tourner des unités, mais il faut des gens qui aient l'oreille des populations, qui connaissent. Il va falloir recréer d'un système ou un autre le corps des affaires indigènes, les compagnies nomades ou les troupes de marine, quelque chose qui fait que ce que Sarkozy a détruit. Je distingue là des relents de néocolonialisme qui sont tout à fait inquiétants. Moi je ne suis pas naturel inquiet. Mais pourtant il y a de quoi quand on voit la situation. Alors, y a-t-il un jeu particulier en Libye de l'Arabie Saoudite après la Turquie et le Qatar ? Oui. Alors l'Arabie Saoudite est dans un jeu très particulier. L'Arabie Saoudite a bien entendu soutenu à fond le mouvement, mais l'Arabie Saoudite a changé de politique à partir du moment où elle a décidé de soutenir le maréchal Sissi en Égypte. Et donc, à partir de ce moment-là, le maréchal Sissi était à deux doigts de véritablement entrer en Cyrénaïque pour aider le général Haftar, qui était le chef militaire très contesté d'ailleurs, à tenter de prendre le contrôle de la Cyrénaïque. Et puis il s'est passé un phénomène, alors nous sortons complètement de la zone, il s'est passé un phénomène qui était la guerre du Sud-Yémen. Oui. Et il s'est passé le retour en force de l'Iran. Et l'Arabie Saoudite est affolée par le retour de l'Iran, parce que, contrairement à ce qu'on a pu dire, l'Iran, l'ennemi de l'Iran, c'est pas Israël, c'est l'Arabie Saoudite. Bien sûr. L'intérêt de l'Iran, Israël n'intéresse pas l'Arabie Saoudite, l'Iran. Ce qui intéresse l'Iran, c'est le Golfe et les lieux saints. Et l'Iran sait très bien que l'Arabie Saoudite, c'est rien du tout. Un claquement de doigts, il n'y a plus d'Arabie Saoudite. Et donc les Saoudiens sont paniqués. Comme les Américains sont en phase de repli, etc., ils ont cherché à s'acheter une protection avec l'armée égyptienne. Donc les Américains avaient retiré leur aide à l'armée égyptienne, une partie. Les Saoudiens ont donné quatre fois plus que ce que donnaient les Américains. Donc l'armée égyptienne mange dans la main de l'Arabie Saoudite, alors que l'Égypte ne suit pas la même politique, notamment en Syrie, que l'Arabie Saoudite. L'Orient est mystérieux et compliqué. Général. Donc, l'Arabie Saoudite s'est trouvée dans une situation très embêtante quand il y a eu le soulèvement des Houthis au Yémen notamment. Et l'Arabie Saoudite, militairement, n'arrivait pas à prendre dessus. Et l'Arabie Saoudite a créé une grande alliance sunnite contre ces rebelles chiites ou apparentés aux chiites du Yémen. Et l'Arabie Saoudite s'est rapprochée d'Al-Qaïda.
Et l'Arabie saoudite s'est rapprochée des frères musulmans. Quel combat par ailleurs. Oui. Les frères musulmans veulent liquider le régime saoudien, mais il y a une telle prise. Vous savez, l'Arabie saoudite est dans une politique de fuite en avant. Hein. Ils n'ont plus de stratégie. C'est la survie à très court terme. À mon avis, c'est une course contre la montre vers la fin de ce régime. La course est engagée. Et l'Arabie saoudite, en totale contradiction politique, a demandé au maréchal Sissi de cesser d'intervenir militairement en Libye, en Cyrénaïque, contre Al-Qaïda, parce qu'Al-Qaïda devient, dans une certaine mesure, un allié sunnite contre l'Iran et ses alliés chiites. Donc c'est une situation, ce qui explique pourquoi l'armée égyptienne n'est plus aussi interventionniste en Cyrénaïque. Et l'Égypte, pour se protéger de la contagion islamiste en Cyrénaïque, a pris la plus mauvaise des méthodes, c'est-à-dire une barrière électronique, comme si sur 2000 km de désert, nous avons réussi en Algérie et au Maroc, deux frontières, la ligne Maurice et Maurice-Charles, parce que la frontière était relativement courte et parce que nous avions un million d'hommes sur place et parce que nous avions une armée excessivement performante et qu'en plus nous avions avec nous les trois quarts de la population algérienne. Mais là, imaginons dans ces immensités désertiques, ils ne vont rien contrôler du tout, d'autant plus que ça ne passera pas par cette frontière, ça va passer par la zone du sud de la Libye et du Soudan. Donc nous sommes dans une situation qui est excessivement volatile, et ce que j'explique dans mon livre. Merci Bernard Lugan pour tous ces éclairages. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire et géopolitique de la Libye, des origines à nos jours. Vous nous rappelez rapidement comment on peut se le procurer. Commander le livre, donc pour 30 euros. 35. 35. Avec le port. En colissimo, parce que j'ai eu tellement de livres qui se sont perdus que maintenant j'envoie en colissimo, je suis certain. Un envoi sécurisé. Voilà. Alors, le site www.bernard-lugan.com ou l'adresse postale, si c'est un chèque, Bernard Lugan, boîte postale 45, 42360, Panissière. J'ai dit des bêtises, c'est 32 euros et pas 35. Ah, oui, non, pardon. Oui. Alors, on reprend voilà, les chiffres, 32 euros. Je suis un très mauvais mathématicien. En tout cas, le livre est passionnant. Merci. Ça vaut les 32 euros. Ah, oui. Merci, chers amis. Merci, messieurs. Et on vous dit à la semaine prochaine.